Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 21, les canevas. Donc, le premier que je propose, le diagramme à bande. Alors, voici le diagramme que je vous propose dans le fond, mais libre à vous à ce moment-là de le changer évidemment à votre guise. Mais le fonctionnement est fort simple, c'est qu'en ayant ce canevas-ci, vous avez toujours ici de la place pour écrire le nom de votre diagramme. Vous auriez ici de la place aussi pour écrire, bon, soit l'échelle et le nom des catégories. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de maintenant, vous n'avez qu'à cliquez une première fois sur la bande ici et vous pouvez venir étirer la bande tout simplement. Donc, si vous aviez vos mesures ou votre échelle, ben, vous pourriez venir agrandir les bandes et créer votre diagramme tout simplement sans avoir à aller chercher les outils, tout ça. L'autre chose aussi que j'ai fait, c'est que j'ai créé des bandes ici, clonables à l'infini. Donc, il y en aurait d'autres. Si vous vouliez là, en ajouter, on pourrait venir en ajouter. Puis, en cliquant dessus, on peut les agrandir aussi, tout simplement. Et en cliquant aussi dessus, en allant chercher les propriétés, vous auriez moyen de venir chercher une couleur différente aussi et pouvoir modifier à votre guise là, les éléments de votre tableau. Si toutefois, vous n'aviez besoin que de trois bandes pour votre diagramme, bien, ce serait très facile de venir juste retrancher les bandes restantes. C'est sûr que là, il ne faudrait pas que j'enlève celle-ci, mais je pourrais recommencer ici avec juste mes bandes et voilà, comme ça. Donc, voilà, je vous encourage à mettre ce tableau ou un tableau similaire dans votre contenu ici. Puis, j'ai fait aussi le même principe, le même tableau, mais avec une feuille quadrillée moyenne, de façon à ce que peut-être ici, au niveau des échelles, il y ait un petit peu plus de marge de manœuvre pour avoir des échelles différentes. Et c'est aussi, il serait possible, dans le fond, d'enregistrer les deux dans votre contenu et de le sortir là, à votre guise quand le moment est approprié. Alors, à bientôt!